Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog qui est un vlog au nouveau crèmeur de Seclin, donc au nouveau Megastore qui vient d'ouvrir à Seclin. Donc, je m'y suis rendue vendredi 11 septembre pour rencontrer des youtubeuses et également faire le magasin, donc rentrer à l'intérieur, etc. Donc, j'ai décidé de vlogger cet après-midi et donc je vous laisse avec la suite. Bon visionnage! Donc là c'est parti, nous sommes dans le train pour aller à Lille. Donc il était environ 3h, 3h30 de l'après-midi. Donc voilà, donc on avait environ 2h30, 3h de train en tout, ce qui est quand même assez énorme. Donc là c'est parti, nous sommes dans le train de Lille pour partir à Seclin. Donc on avait environ 10 minutes de train. Donc là nous sommes arrivés donc au Megastore de Seclin. Donc la première chose que nous avons fait, c'est d'aller voir les deux youtubeuses qui étaient présentes, donc Axelle de la chaîne Un cœur de cavalière et Cassandre de la chaîne Rêve compulsif. Et j'étais d'ailleurs très très heureuse de les rencontrer. C'est toi qui as le compte fan, c'est ça? Ouais, je me disais. Ouais, t'inquiète pas, tu l'es. Ah bah, l'émotion. T'as à fond. Et je pense que c'est une des abonnées qui est... Un petit poney, bon, elle l'a eu récemment parce que ça faisait 4 ans qu'elle s'en occupait, qui n'était pas encore à elle. C'est le petit Shetland, c'est ça? Mais tu vois, je suis. Tu sais tout en fait. Je sais tout. Mais je like ce que tu mets sur le compte fan, mais je regarde aussi, je suis curieuse. Je vois. Du coup, après une émotion immense en rencontrant Axelle et Cassandre, donc je me suis rendue dans le magasin donc Kramer. Donc d'ailleurs, je n'ai failli pas rentrer. Donc faire quelques petits achats, genre vraiment des petits achats. J'ai pas acheté grand chose. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc là, je vous laisse découvrir le magasin avec moi. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take blame, even when you are blowing up. Thank you.
Et donc à 19h, il était temps pour nous de sortir du magasin malheureusement. Donc voilà, donc c'est vraiment un magnifique magasin, même si je suis pas restée hyper longtemps dans le magasin, il est vraiment super beau. Et donc à ce moment-là, j'étais dans la file d'attente pour aller dire au revoir à Axel et Cassandre parce qu'il était... Il était temps que je reprenne mon train pour ne pas être en retard. D'ailleurs, j'ai failli l'être. Donc voilà. Et donc là, il est 19h40. Et donc, il est temps de rentrer chez moi, donc en train. Donc voilà. Bon, du coup, je vous fais un petit débriefing de l'après-midi vite fait parce que c'était, comme vous avez pu le voir, un vlog où je parlais en voix off. Donc voilà, donc c'était une vidéo où je parlais en voix off. Et voilà, donc je suis hyper heureuse d'avoir fait, d'avoir été à Crabe. Je suis hyper heureuse d'avoir pouvoir et ça va aller. Il est minuit et demi, donc forcément c'est un peu compliqué. Je suis super heureuse d'être allée à Crame rencontrer Axel, Cassandre, donc de la chaîne Un cœur de cavalière, de la chaîne Rêve compulsif. C'était juste fou. J'ai pleuré et tout, tellement c'était énorme. Le magasin Crame, il est immense. De toute façon, vous avez pu le voir aux vidéos précédentes. Il est grand. On a même failli pas rentrer, c'est pour vous dire. Tellement il y avait du monde et tout. C'est pas un magasin comme il y a par chez moi. Donc forcément c'est un peu compliqué. Je n'avais pas l'habitude des magasins comme ça. Donc voilà. Donc je vous ferai pas une vidéo haul de ce que j'ai acheté. Parce que je vais vous faire montrer ça tout simplement tout de suite. Parce que, en fait je n'ai pas acheté grand chose à Crameur. Comme j'ai fait une commande de 80€ il y a une semaine, environ deux semaines. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté les trucs dont j'ai besoin. Voilà. Donc tout d'abord j'ai eu deux longes gratuites par Crameur. Voilà. Donc voilà, deux petites longes Crameur. Et une longe qui est encore emballée. Et le reste c'est moi qui l'ai acheté, donc j'ai acheté que 3 articles et j'ai pas acheté grand chose, mais voilà, donc j'en ai eu pour un total de 85€, mais j'ai eu 10€ offert. J'ai eu 10€ offert, donc j'ai payé 75€ en caisse. Donc le premier achat que j'ai fait c'est un Licol marron et noir de la marque Showmaster. Voilà. Un Licol comme ça pour vous, j'en ai pas du tout. Donc ensuite, les deux autres articles que j'ai achetés, c'est des pantalons. Donc j'en ai acheté deux. Ils sont pas vraiment de la même couleur. Il y en a un est gris, il y en a un, je crois qu'il est taupe. Hein. Il a une couleur différente. Voilà. Donc au lieu de payer 70€ un pantalon, j'ai payé 34€ un. Donc j'en ai eu pour 68. En gros j'en ai eu un gratuit comme,
comme il y avait les soldes, donc j'en ai eu deux pour 68 euros au lieu de 71, donc c'est quand même bien. Et en plus, ça se voit que c'est de la qualité, ça se voit tout de suite. Donc les pantalons, ils sont comme ça. De toute façon, vous allez voir le prix là. Voilà. Voilà, ils se présentent comme ça. Avec des grippes. Des basanes. Il est top. Ça se voit tout de suite que c'est de la qualité. Voilà. Des superbes pantalons. Et donc l'autre, bah, c'est le même. Voilà, c'est exactement le même. Voilà. Mais de toute façon, j'en avais besoin parce que mes jeans ont tous éteint et tout. C'est une catastrophe. Mais voilà. Donc je pense que Axel ne verra peut-être pas cette vidéo. Mais je tiens à la remercier énormément pour ce qu'elle a fait pour moi aujourd'hui. Parce que sinon sans elle, bah, c'était pas trop possible en fait. De toute façon, elle comprendra d'elle-même, je peux pas le dire, mais elle comprendra d'elle-même, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, donc je la remercie énormément et je remercie énormément aussi Cassandre de m'avoir accueilli tout ça, enfin, d'avoir été aussi agréable et tout. Et vous êtes vraiment top, top, top. Parce que vous voir en vrai en vidéo, c'est pas du tout la même chose. Ça fait longtemps que je vous suis, mais c'est pas pareil du tout quand, quand on vous voit en vrai comme ça. Et voilà, donc c'était trop cool de vous voir. Et voilà, donc je remercie infiniment Axel et aussi à l'équipe Kramer qui m'a aidé, enfin qui a su gérer les imprévus qu'il y avait, enfin qui a su garder la tête haute. Parce que c'est vrai que c'était pas évident, puis c'est un magasin énorme. Et à cause du Covid, tout ça, on peut pas accueillir plus de 100 personnes dans le magasin d'un coup. Donc comme il y avait du monde, c'était quand même assez compliqué. Je vous avoue, mais c'est normal. C'est un peu normal que c'était compliqué. Mais bon, tout s'est bien passé. Et en plus, je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues, qui ont voulu voir Axel ou qui ont voulu rentrer dans le magasin. Ils n'ont pas pu. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont déçus et moi pas du tout. Mais je vous avoue que j'ai failli l'être. Voilà, j'ai failli être déçue. Mais finalement, je ne l'ai pas été et c'est grâce à Axel. Donc merci du fond du cœur et voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog, en fait, c'était pas vraiment trop prévu que j'aille à Kramer. C'est surtout parce que Axel, elle y a été, donc forcément, j'avais hyper envie d'y aller. Donc comme Axel y a été tout ça, puis en plus il y avait Cassandre et tout, enfin, j'ai quand même rencontré deux youtubeuses et tout à Kramer, c'est pas rien. Puis j'ai fait des petits achats, bon j'en ai pas fait beaucoup, mais bon après j'ai fait quand même une commande il y a pas longtemps, donc ça a pas servi à grand chose d'acheter trop de trucs dans le magasin. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté grand chose. Voilà, mais c'était juste top et je vous remercie du fond du cœur. Donc bah, j'espère que ce vlog imprévu vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !Thank you.